La soupe d'asperges vertes est très facile à faire, le plus compliqué étant de trouver des asperges bien fraîches. Je les lave rapidement et, petite manie, s'il fait sec, je recycle cette eau dans le pot d'une plante ou dans le jardin. Pas besoin de les éplucher, avec un couteau aiguisé, je les tronçonne tranquillement, chacune à leur tour tous les 2 cm, en commençant par la pointe. Tant qu'elle se coupe facilement, ça signifie qu'elle est tendre. Mais vers la queue, dès que le couteau résiste, le reste est écarté, trop dur pour être consommé. Parfois, elle reste tendre jusqu'au bout. La quantité qu'on jette dépend de la fraîcheur et de la qualité, mais aussi de la longueur. Inutile d'acheter de très longues asperges, il y aura plus de déchets. Ici, sur 500 g, je récupère 380 g d'asperges à consommer. Assez pour une soupe de 6 personnes. Épluchez et coupez grossièrement 2 à 3 beaux oignons. Ils seront légèrement fondus dans le beurre. Dans une casserole de 2 litres, faites fondre 10 g de beurre avec du sel. En moins d'une minute, ces oignons dégagent une réconfortante odeur de grillé. Couvrez alors d'un litre d'eau. Pas plus, ce serait dommage de trop diluer cette soupe. Salez. On y ajoute les asperges seulement quand l'eau bout. Une fois que l'ensemble bout à nouveau, on baisse le feu pour maintenir une ébullition douce. Les asperges vertes cuisent en 12 minutes seulement. Pour être précis, on utilise un minuteur, car lorsqu'on les fait cuire davantage, elles perdent en goût. Lorsque la soupe est cuite, elle est simplement finement mixée. Il est inutile de filtrer ensuite la soupe d'asperges vertes au passe-vite, car elles sont bien moins fibreuses que les blanches. Avant de servir, on ajoute 70 g de crème liquide. À la fin, vous obtenez environ 1,2 litre de soupe très qualitative, délicieuse. Elle ne contient pas de pommes de terre qui atténuerait le goût de l'asperge, ni de cubes de bouillon. Simplement l'asperge verte dans toute sa splendeur, dans une recette extrêmement simple.